et Bill effectue un dribble magistral sous les applaudissements de la foule en délire. Tu peux toujours essayer de me déconcentrer, mais ce ballon ne passera jamais, Bill. C'est de la triche. Double corner. Triple, triple faute. Aïe. Tu trouves ça drôle, caporal? Désolée, madame Stick, on ne voulait pas vous viser. On fera plus attention, promis. Ceci est une propriété privée. Mais, et mon ballon alors? Ah ben ça, mon petit, il fallait y penser avant d'essayer de m'assommer avec. Allez, hop! Allez, viens, Bill, on rentre. Un cocker digne de ce nom ne repart jamais sans sa baballe. Mais, qu'est-ce que je viens de vous dire? Bill! Madame Stick! Double faute! Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre sale cabot qui m'a fait trébucher. Voilà ce qui s'est passé. Papa, maman, Bill n'a rien fait de mal. Il voulait récupérer mon ballon que Madame Stick m'a confisqué. Oh, je crois que je me suis tordu la cheville en tombant. Comédie, Bill, arrête un peu. Allez, agrippez-vous à moi, Madame Stick. Waouh, et l'Oscar de la pire comédienne revient à Madame Stick. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non. Bon, et vous connaissez quelqu'un pour vous aider le temps que votre cheville aille mieux? Oui, je pensais à ces deux énergumènes. Ça les occupera au lieu de faire des bêtises. Mais c'est pas juste! Ça suffit. Boule, Bill, vous allez veiller sur Madame Stick tous les deux. Mais maman! Je compte sur vous pour faire tout ce qu'elle vous demandera, c'est bien compris? Oui, d'accord, maman. Bon, on a terminé de ramasser toutes les feuilles mortes du jardin. Si vous avez besoin de nous, on sera de l'autre côté. Ma gorge est toute sèche! Vous pourriez m'apporter un petit verre d'eau? Et voilà! Cette eau est un peu tiède. Allez, viens, Bill, on va chercher des glaçons. Et un bol de glaçons, hein? Esclave, quand tu auras fini, tu pourras venir me limer les griffes et me faire un petit massage. Toi, tu perds rien pour attendre. J'ai un petit creux, moi. Il serait tellement meilleur si tu allais les réchauffer pendant 25 secondes au micro-ondes. D'accord, Madame Stick. Comment elle abuse? Tout ça pour un petit bobo de rien du tout. Minute boule, ça manque d'une touche personnelle. Excellent et dégoûtant. Dites donc, au lieu de ricaner comme des idiots, si vous alliez plutôt me chercher une couverture sur l'armoire du salon. Allez plus vite que ça, sinon je passe un coup de fil à tes parents. Oui, Madame Stick. Quelle idée d'aller ranger une couverture aussi haut! Ah, voilà, je l'ai trouvé. Oh, merci, Bill, j'ai frôlé l'accident. Waouh, un passage secret comme dans les films, trop cool. Arrête de gigoter, tu veux? Je vous tiens.
c'est trop fort! Si ça se trouve, Madame Stick est un agent secret. Regardez! Il y a même un mini sous-marin! Ça alors, c'est Georges! Alors fais-moi le malin quand on n'a plus de batterie, hein? Coucher le robot! J'ai dit coucher! Alors, tu t'es fait un nouveau copain, Bill? Waouh! Vous avez vu les copains? Je me demande bien à quoi peut servir ce grand bouton. Non mais j'hallucine, elle fait semblant. C'est quoi cette boîte carrée? On dirait un coffre-fort. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. On va vite le savoir. Raté, c'est fermé. Il doit y avoir un truc ultra top secret dedans. Zut, faut qu'on y retourne avant qu'elle se doute de quelque chose. Regardez, un ascenseur. On y va? Trop bien. Tu parles, il n'y avait même pas de musique. Tu en as mis du temps. Je m'apprêtais à appeler tes parents. C'est que... elle n'était pas super facile à escalader, cette armoire. On a eu chaud. Elle s'est endormie. Allons chercher la clé. Caro, c'est comme ça que tu nous aides à chercher la clé? Bah oui, il faut bien quelqu'un pour la chercher au cœur de cette salade, non? J'ai fouillé partout dans la maison, rien du tout. Et toi alors, Bill? T'as trouvé quelque chose? Mais où est-ce qu'elle a bien pu cacher cette clé? C'est bon, on peut y aller. À nous les secrets de Madame Stick. Oh, ce n'est que toi, mon petit caporal. Tu veux des caresses? La clé! Où est passée la clé? Où sont passés Boule et Bill? Je suis sûre qu'ils préparent encore un sale coup. On a de la compagnie. Vite, cachons-nous. Alors, on veut jouer à cache-cache à ce que je vois. Désolée. Chut, elle va nous entendre. Zut, elle les a repérés. C'est ça le secret de Madame Stick? C'est un disque.
Joyeux chaton? Ah, mais c'est... Madame Stick! Rendez-moi ça! J'étais jeune et naïve. Je n'aurais jamais dû enregistrer cette chanson stupide. Et personne ne doit savoir que c'était moi. Personne. Allez maintenant du balai. Rentrez chez vous. Et que je ne vous y reprenne plus à traîner dans mon sous-sol. Cette fois, vous l'avez vraiment cherché. Oh non, c'est vraiment pas de chance. Alors, mes joyeux chatons, on joue à quoi maintenant? Joyeux chaton, joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. Joyeux chaton, joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. C'est fou les vieux tubes ringards qu'on peut trouver sur internet maintenant, pas vrai? Le voilà à ton ballon. Merci Madame Stick. Joyeux chaton, joyeux chaton.